Salut à tous mes petites roses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo avec des petites astuces, tests de produits de chez Action. Alors ça c'est un nouveau produit de la gamme Super Fun. Alors il existe en jaune, je vous l'avais déjà partagé il y a un moment. C'est un dégraissant et il est très efficace. Celui-ci c'est un, vous voyez, un produit vert spécial pour le micro-ondes et pour le four. Ça tombe bien, je vous montre vraiment honnêtement comment il était mon micro-ondes, c'était juste catastrophique. Et à chaque fois, flemme. Je me dis, il faut que je fasse un bon nettoyage, il faut que je fasse un bon nettoyage. Et voilà, il y a eu pas mal de petits incidents. Et donc là, j'ai utilisé ce produit-là pour le nettoyer. En même temps, ça fait un petit moment que je l'utilise plus là. Vu que voilà, il fallait le nettoyer, donc il est bien crasse. J'ai enlevé donc le petit plateau, je l'ai lavé manuellement et là en fait j'ai vaporisé le produit. C'est sous forme, vous voyez, de mousse. Franchement, c'est très efficace. Donc j'ai laissé poser quelques minutes et ensuite vous avez juste à essuyer avec votre chiffon ou avec un papier essuie-tout. Allez, on se retrouve quelques minutes plus tard. Vous voyez, il n'y a plus de mousse. Donc là, je commence à nettoyer. Ça part vraiment directement. Ça ne colle pas. Pas besoin de frotter, rien du tout. Tout était ramolli, en fait. Vous voyez, ça s'est bien nettoyé. Donc j'allais rincer à chaque fois mon chiffon microfibre. Et après, j'ai fini par essuyer avec un torchon. Allez, je continue ici avec ces petites protections comme ça à lunettes pour les WC. Ça, franchement, c'est un petit format. C'est vraiment quelque chose à avoir dans son sac, je dirais, tout le temps en fait, et surtout quand vous allez en vacances. Mais voilà, pour les personnes qui n'aiment pas aller dans les toilettes publiques et tout, enfin, moi perso, j'aime bien avoir ce genre de petites, voilà, ces petites protections. Ça prend pas de place du tout. Vous allez le retrouver dans le rayon où il y a les valises en fait. Et ça coûte moins d'1 €. Voilà. Et il y en a 10 à l'intérieur. Et puis c'est vraiment très simple. Vous voyez, c'est tout fin, c'est un petit papier. Donc là, je vous fais une petite démonstration. Je vous montre comment ça s'installe. Voilà ce que ça donne. Regardez, une fois que vous avez terminé, voilà, vous jetez à la poubelle, tout simplement. C'est universel, hein, c'est une taille universelle. C'est vraiment très pratique. Moi, j'aime beaucoup et surtout quand on part en vacances, les autoroutes, etc., les stations d'essence. Enfin bref, c'est dans un état catastrophique parfois les toilettes. Donc voilà, ça c'est vraiment le système D. Alors, tant que j'y pense, hein, je vous montre quelques achats que j'ai effectués là chez Action. Donc j'ai pris ce petit blanco comme ça, correcteur à 99 centimes. Alors là en ce moment ils sont à fond dans les fournitures scolaires. Donc j'ai pris des petits stylos 4 couleurs, ce sont des mini, ils sont à 1,99 €. Ceux-là, ils sont à 99 centimes, ils sont pas top. Hein. Franchement, ils durent pas très très longtemps. Mais bon, c'est pas grave, je les ai pris au moins, ils termineront le mois de juin avec. C'est des stylos effaçables. Donc j'ai pris ces petits filets pour le linge. Ils sont vendus par deux, et je crois que c'est dans les 70 centimes, je crois. C'est moins d'1 €. Et j'ai pris également cette petite boîte compartimentée, vendue par trois. Ça, c'est dans les rayons boîte, je crois que c'était 1,99 €. Ouais, de toute façon, chez Action, c'est toujours pas cher. Donc on peut l'utiliser hein, pour l'alimentation et le mettre aussi au lave-vaisselle. Alors je continue avec la petite boîte compartimentée, donc là je l'ai lavée, je suis en train de l'essuyer, on peut l'utiliser pour plein de petites choses. Alors ce genre de boîte franchement c'est top quand vous partez pique-niquer, que voilà, vous mettez directement
l'apéro dans ces petites boîtes. D'ailleurs, il y a aussi le grand format. Je l'ai aussi, le grand format. Je l'avais acheté l'année dernière. Le grand format, je crois qu'il y a 5 ou 6 compartiments. Et alors, du coup, les petites comme ça, ces petites boîtes, vous pouvez en prendre par exemple 2 et mettre donc des fruits, des légumes. Vous pouvez mettre des concombres, du radis, des tomates cerises. Et comme ça, il n'y a plus qu'à grignoter directement dans la boîte. Voilà, ça évite de ramener à chaque fois des assiettes, etc. Ou même comme ça dans le jardin, enfin quand on est posé en extérieur. Hop, tu sors la petite boîte. Et quand vous avez terminé, vous la refermez. Donc là, moi, je suis en train de couper des oranges. Je vais mettre un petit peu d'orange. Voilà, bon, je suis en train de mettre ce que j'ai sous la main, mais en temps normal, vraiment, je l'ai pris pour y mettre des fruits et des légumes. Genre vraiment des concombres coupés, des radis, des tomates cerises, tout ça. Mais là, j'ai mis des céréales sucrées. Alors, je sais qu'aussi mes enfants, ils aiment bien manger ça comme ça. Même moi, regardez, je suis en train de picorer en même temps. Et j'ai mis de la vache qui rit. Alors oui, moi, j'aime bien manger le fromage. Parfois, c'est du kiri ou de la vache qui rit comme ça. J'aime trop. Et les enfants aussi, ils aiment bien. Donc franchement, je trouve ça sympa. Petite boîte compartimentée comme ça, avec le couvercle que vous pouvez transporter un petit peu partout, ou même si vous partez en voyage hein, pour les enfants par exemple, s'ils veulent manger quelque chose dans la voiture, eh bien ils peuvent se servir directement dans la boîte. Allez, je continue ici côté voyage. Je vous embarque avec moi là en voyage. Alors regardez, moi j'ai acheté ces petits filets. Donc la vraie utilisation de ces filets, c'est pour protéger vos vêtements. Si vous avez des vêtements dentelés, perlés, vos sous-vêtements fragiles, vous les mettez à l'intérieur. Franchement, ils sont grands, hein, les filets. Vous les mettez à l'intérieur et puis ça ne risque rien. Vraiment, n'ayez pas peur. Parce que quand vous mettez un vêtement perlé dans la machine à laver, c'est juste une catastrophe. Alors moi, ce que je fais avec, c'est que lorsque je pars en voyage, je les utilise pour y mettre les ensembles de mes enfants ou pour y mettre par exemple les pyjamas, les pantalons ou bien voilà, comme là, des robes. Donc c'est vraiment super pour pouvoir s'y retrouver, surtout quand par exemple dans une valise, par exemple, hein, on part en week-end, et eh bien je mets dans chaque filet, voilà, une ou deux tenues par personne, avec tout, avec les sous-vêtements, les chaussettes, le t-shirt, le pantalon, vraiment tout, et eh bien on s'y retrouve directement. Ça fait beaucoup plus propre, ça fait beaucoup plus rangé, c'est super bien. Et franchement, vu le prix là. Vous pouvez en prendre plusieurs, ça coûte vraiment pas cher. Comme là, regardez, je vais y mettre la petite robe de ma fille. Voilà. Et franchement, c'est trop trop bien. Sinon, pour le linge, pour la machine à laver, on va dire ça comme ça, vous pouvez y mettre les chaussettes. Les chaussettes. Les fameuses chaussettes là, qui n'ont pas de frères, qui n'ont pas de sœurs. Eh bien, vous les mettez à l'intérieur, au moins vous n'allez plus perdre vos chaussettes. C'est vrai, c'est dingue, hein. À chaque fois, on a du mal à trouver les paires. Donc là, regardez, je mets ça dans la petite valise et le tour est joué. Alors j'ai racheté ce pèse-personne. J'en avais acheté un il y a peut-être 3 ans. Hein. Et entre-temps, avec le déménagement, je sais pas parce que je l'ai. Il doit être dans le garage, c'est sûr, de toute façon. C'est pareil, je me suis dit pour 2,70 il me semble. Il est à moins de 3 euros. C'est un pèse-bagage. Donc il y a les piles, il y a tout à l'intérieur. Pour peser vos bagages, ça franchement c'est trop bien. Quand vous êtes chez vous, pour l'aller, ça va. On a toujours un pèse-personne, on galère, hein. On monte sur le pèse-personne, on porte la valise, on arrive à estimer plus ou moins le nombre de kilos. Mais pour le retour, c'est un peu plus compliqué, surtout quand vous allez bah, en hôtel ou vous allez pas chez. Enfin, moi, j'ai pas forcément de pèse-personne en vacances. Donc là, c'est génial. Regardez, ça m'a mis 2,7 kg. Il suffit, donc là, vous le mettez à zéro, vous l'éteignez, vous le rallumez. Lorsque vous portez comme ça, hop, ça vous met les kilos. Alors. Moi, je vous conseille fortement. C'est très, très bien. Par contre, parfois, ça ne va pas être précis à 100, 200 grammes près. Vous voyez, tout à l'heure, ça m'avait mis 2,7 kg. Et après, ça m'a mis 2,4 kg. Et après, ça m'a mis 2,8 kg. Mais moi, ça me va. Au moins, je sais à peu près, je suis à combien de kilos. Après, on va tester ensemble sur le lait. Au moins, je sais que c'est 6 litres de lait. Vous allez voir, on va tester ensemble. Donc, moi, franchement, je valise. Hein. Je valide. Ce petit gadget-là, parce que au moins on sait à peu près on a combien de kilos. Voilà, mais moi j'ai l'impression que c'est la première pesée qui est bonne, il ne faut pas le faire plusieurs fois. Donc voilà, ça c'est vraiment l'expérience que j'ai pu en retirer de ce petit gadget.
Donc là, je le fais sur les packs de lait. Donc là, il y a 6 bouteilles, 6 briques. Donc il y a 6 litres. Vous allez voir que dans la première pesée, hop, on est à 5 litres 900. 5 kilos 900. Voilà. Ça s'est joué à 100 grammes près, c'est pas grave. Mais lorsque je réessaye, je suis ensuite à 5 kilos 5, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, en tout cas, moi je vous conseille, on n'est pas à 100 grammes ou 200 grammes près. Voilà. Moi je valide. N'hésitez pas à donner vos retours. Et puis je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne journée si vous regardez cette vidéo, peut-être en semaine, je ne sais pas. Ou en journée, une très bonne soirée si vous regardez cette vidéo en soirée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye bye.